parce que ça n'est même pas une année au bal avec tu kokufa tant on se le bat à confiter na ba 13 heures sans monsieur panzani qui a confité à sécu c'est que aux autres appuyer hypothèse on a qu'à confiter à sécu na ouais ça les religieux ce sont des escrocs professionnels ils n'ont pas honte ils n'ont pas pitié des gens ils ne sympathisent pas avec les gens. Ils sont contents quand tu le vois pauvre. Branché connecté dans www.comodialo.com, site de bonne manière que coordonne Francine Ngembe. On s'étend presque vers la fin de notre interview d'aujourd'hui, mais avant d'être cheaté, j'aimerais avoir aussi la réflexion du président Kilele ici en Afrique du Sud en ce mois de juin ici, parce que d'ici là, dans quelques jours, nous aurons, s'il faut appeler ça célébrer, mais c'est le président, l'indépendance de la RDC, s'il faut célébrer cela, 58 ans depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui 2018. Juste un petit mot, est-ce que la RDC pourrait-il célébrer, utilisons le terme célébrer, l'indépendance? Est-ce que nous sommes réellement indépendants depuis 1960? Nous avons raison de célébrer l'indépendance. Nos martyrs ne sont pas morts pour rien. Quand bien même que les régimes d'occupation et même le régime de Mobutu avaient jeter un discrédit en imposant un veto politique et social sur les noms de ces héros, Lumumba, Mpolo et le reste, nous avons droit et raison de célébrer l'indépendance. Le fait que Tobengana Kabamindele, ça signifie que l'indépendance, c'est nous qui avons mal géré l'indépendance. Vous voyez ça? C'est nous qui avons mal géré l'indépendance. Et nous avons manqué en sens nationaliste de gérer les dividendes de l'indépendance. L'économie, le développement, la bonne politique, la cohésion sociale. Mais nous nous sommes transformés en commissionnaires en économie et en politique des Occidentaux. Mobutu, au lieu de développer le pays, s'est mis de connivence avec l'Occident et ceux qui l'entouraient à piller le pays, comme si Zambo en a été. Ils ont fait pire que Mobutu. Alors, les doigts des reproches, comme on le dit, tu reproches quelqu'un comme ça, les trois doigts de reproche doivent se retourner contre nous et nous devons faire une étude de mémoire, nous devons faire un arrêt, stopper pendant un moment et se demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est là où je fais appel aux penseurs, pas seulement les universitaires, les gens, les villageois, qui ne sont pas allés à l'école ont des idées, ils ont des pensées, et ils ont la sagesse. Et la classe moyenne et ceux-là qui se disent des intellectuels, nous devons chercher ou créer un forum de réflexion où nous demander qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi nous nous comportons comme ça, pourquoi nous détruisons notre propre maison. Il y a une élite qui défend les intérêts du pays. Ce n'est pas n'importe qui doit venir jouer avec nous. Je vous donne un exemple fou, hein, du fait le général Idi Amin Dada. Pendant un moment, Idi Amin Dada avait remballé tous les Indiens et les Pakistanais. C'était de la folie sans doute. Et il les a chassés parce qu'ils dominaient l'économie du pays. Mobutu a fait autant. Malheureusement, il était mal conseillé.
Je ne dis pas que nous devons chasser les étrangers. Non, nous ne devons pas le faire. Mais Idi Amin a montré un exemple pour chercher à créer une richesse indigène, une richesse nationale. Si moi, Jomadari Vibigil Gilele, je deviens président, c'est un rêve, vous savez. J'aimerais créer une classe de riches au Congo. Il n'y a pas de richards au Congo. Il n'y en a pas, ce sont des pauvrons. Le terme n'existe pas dans les dictionnaires. Ce sont des pauvrons, ils n'existent pas. Ce sont des riches de sexe des femmes et des riches de musiciens. Ouais, ça. Nous devons voir des gens tels que les Bill Gates. Nous devons voir des gens tels que les Richardson. Ouais, ça. Nous avons toutes les richesses au Congo. Si Kilele devient président, d'abord, le secteur minier doit être réservé aux autochtones. Nous devons sortir des riches chez nous. Qu'on nous dise qu'à Bandundu, au Bas-Congo, au Katanga, il y a des femmes et des hommes qui ont travaillé et qui sont devenus des riches. Pas dans l'illégalité comme les voyous, là, voleurs, là, comment il s'appelle, Moïse Katumbi, un voleur, un pilleur. Nous avons besoin de gens qui sachent travailler, créer de l'emploi et qu'on appelle Soton Mania Congolais. Quand vous allez au Nigeria, vous allez rencontrer plus de 1000 manias. Hein? Sans doute, il y a la grande mafia pétrolière au Nigeria. Mais vous allez rencontrer des manias, je dis bien des manias, qui sont plus riches que le gouvernement. Vous voyez ça? Pouvez-vous m'indiquer qui est riche au Congo? Ça, c'est une grande question et une bonne question. Qui est riche? Adam Bombolo, parce qu'on lui chante. Jekoko, parce qu'on lui dédie des chansons. Moi, je dis qu'il est mort. C'est qui? Qui? Nous avons besoin de manias. De gens qui doivent dire, moi j'ai des milliards. Je suis Kassaïen. Je voudrais construire une autoroute de 100, 120 ou 200 km. Mettez les noms, c'est l'autoroute Bimacha. Mettez des points de péage qui sera versé au gouvernement et le gouvernement me donnera mes dividendes, je reste chez moi. Je suis propriétaire de champs de maïs de 20-30 km. J'y mets une minoterie. Je suis propriétaire de champs de riz. Je mets une riserie. Je suis propriétaire de champs de manioc. Je suis propriétaire d'une pêcherie. J'ai des bateaux. J'ai des chalutiers pour prendre des poissons. C'est ça, pour attraper des poissons. C'est ce qu'on appelle la richesse. Ce n'est pas prendre l'argent, tu déposes en banque. Et tu te racontes avec Jibem Biana, ta petit, Yembangaye, Denunio Yembangaye. Après un mois, deux mois, il sort une autre chanson. Toi et ton nom, vous devenez de matière périmée. Vous êtes des produits périmés, on ne s'occupe plus de vous. Parce qu'il y a un autre qui vient lui donner de l'argent pour lui dire nous avons besoin de créer une richesse au Congo. Vous voyez ça? Il y a. Quand vous allez à Bandundu, à Nioki, il y a la scierie de Nioki, mais ça appartient aux blancs. Mais qu'est-ce qui manque aux Congolais qui se disent qu'ils ont de l'argent pour acheter la technologie moderne? Il y a scierie, on a créé la scierie, le meuble est là pour construire la porte à bien, ndako à bien, le meuble à bien chez nous. Qu'est-ce qui manque si nous avons des riches? Baba na kosomba, la machine à couveuse à l'échelle industrielle pour bah tu vois ça là-bas élevage bah on a coproduit bah ce sont au lieu qu'on attend que non ouais ça ce sont en Sénégal ou en Argentine oh ce sont ou en Afrique du Sud oh ce sont oh l'os aux olives bien ça l'os à Ghana non oh ça l'os à Inde pendant que tout ça là m'a belé qu'est fait
l'argent que les gens ont prétendent avoir. Je dis bien prétendent avoir. Mes chers compatriotes, ce sont seulement des petites idées de développement que je vous donne. Nous devons concrétiser la richesse et non pas la thésauriser à notre propre profit, parce que ce qui te confie est comme on en a été. Richesse, on est comme on a été. Les lobes, maman, au langue, il y a Koufi. Namoubane, mais ils ont amassé de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Des clubs de mensonges? Des églises? C'est pas ça. Ils devaient laisser aux Kassaïens des fermes, des champs de maïs, des minoteries. C'est ce que les soi-disant blancs font. Mindele Bakuzwambongo Babandi idée a évolué à Koufi à Tikeli Ben a continué. Nous roulons dans des Mercedes-Benz aujourd'hui, mais M. Karl Benz, c'était un petit artisan derrière la maison avec des fils de fer, à Koufi à Tikasango. Il en est de même pour le reste des constructeurs d'automobiles. Tout comme les avionneurs, les constructeurs d'avions tels que Marcel Dassault et les autres. Ce sont des gens qui ont laissé une idée d'invention, de développement et Tikalipe Libela. Quand vous allez au Japon, c'est la même chose. Richesse Nabisu Zeraka, Basi, musique, c'est tout. Regarde-moi ces bourdeaux d'hommes-là à Kinshasa, ces pygmées-là de Kimbuta. Il est pygmée. Mais c'est un pygmée. Sokimoto Alingi, Azo avion, il faut batika mbongo ya Kimbuta. Taxe ya Kimbuta. $50 ya Kimbuta, au lieu de telle place, bon, mbongo wana saka na ngono. Il n'arrête pas là-bas, il va créer cimetière na emoko, au lieu de kuna yo kuna, hein, le cimetière soki nécropole soki nini, il faut ofuta mbongo. Cimetière à Lix, ya ngono ko la musabatu. Pourquoi ne pas prendre cet argent? C'est un voleur. Pourquoi ne pas prendre cet argent? Taxe ou non? Créer des aéroports, des aéronefs ailleurs. Mais le Congo est vaste. Mais prendre cet argent, mais créer des pistes, des aérodromes partout. Moderniser ça au standard mondial. Que Ozoaka, Otina Poche, nous avons un peu de temps à accueillir. Oh, il y a André Akomi, il y a André Kimbuta. Fuck! What is this? Nous avons dansé et prié. C'est tout. Écoutez un artiste que j'aime bien, Feta Boley. Peut-être qu'il le disait intentionnellement ou pas. Irait le peuple qui chante, irait le peuple qui danse. Oh, oh, oh. Bon, le peuple danse et chante, mais il y a un peuple qui ne mange pas et qui ne résonne pas. Et ça nous a endormi tout ça. Groupe d'animation Kaki. Djalelo Tubanji Lengaye Mlope Mobutu Djalelo. Tout ça s'est entré dans la tête des gens. Je salue tous les compatriotes et Sigana Sobozali. Nasengi Nabino, tout tenir toujours très fort. Nasengi Nabino. Boulongoa, la église ya Pamba Pambona. Bokene na église te. La sengi na binu bo banaka ko sala ba projet comment développer chez nous. Et puis to créer ba emploi, ba misala e pa na biso. La sengi na binu soki to zongi la crème de l'élite doit tout faire pour protéger le pays contre l'invasion économique étrangère. Nous devons éviter que l'économie soit totalement dominée et que Bissot, Tozala, Nabatoyo, Tokumisaka, Nakatiaba province, Nazala qui est en Malawi il y a de cela 6 ans, ce qui est en Malawi, Okumona, l'économie nous est en Malawi. Ils ont beaucoup d'Indiens. Les Indiens, ils ont mikate, ils ont tembele. Les autochtones n'ont rien. Ça fait quand même mal. Apparemment, c'est ce qui se passe même à Kinshasa actuellement. Les Chinois ont tout envahi. C'est à cause de la faiblesse de l'État qui ne protège pas la population.
et qui ne fait pas la promotion de la population. Nous devons sécuriser notre banque, nous devons créer des banques d'investissement pour donner le crédit aux citoyens, les encourager, les former. Nous devons les amener dans des ateliers de formation financière afin qu'ils puissent savoir utiliser cet argent et faire le remboursement auprès de la banque. Les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs, n'importe qui s'amène avec une initiative développementale, l'État doit s'en occuper. C'est pour la promotion d'une élite économique. Les églises ne font jamais ça. Et ne feront jamais ça parce qu'ils ont un agenda de mensonges et d'intimidation. Que vive le Congo, que vive Lumumba, que vive tous les martyrs du Congo. Et que l'église chrétienne, l'islam des esclavagistes et Lungwana Congo. Nous ne sommes pas des islamistes, nous ne sommes pas des musulmans, nous ne sommes pas des catholiques, nous ne sommes pas des judéo-chrétiens, nous sommes des Africains. Voilà, merci. Cela nous amène maintenant à la fin de notre interview avec M. Kilele. Vous avez aimé? Au sortir de notre émission, nous avions pu réfléchir sur la mort de Maman Langui. Après sa mort, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui doit se faire? Et quelles sont les pistes? Quel est l'avantage ou les avantages ou le bénéfice que Maman Langui ainsi que le combat spirituel a apporté dans notre pays RDC? Nous avions aussi brossé concernant l'implication de la France, l'Angola ainsi que le Kigali, n'est-ce pas, que Paul Kagame est impliqué aussi parce qu'il cherche la négociation, la médiation par rapport aux élections usuelles le 23 décembre à Ouassi-Anora. Donc vous avez suivi la réaction de M. Kilele. Et nous avons aussi clôturé notre émission aujourd'hui par leur réfléchissant un peu 58 ans après l'indépendance depuis 1962. Merci à vous, M. le Président, pour votre temps. Merci, M. Josué. Merci, Jean-Marie. Merci à mon fils Nkokonyang qui est là-bas. Et je remercie tous les téléspectateurs. Le Congo nous appartient. Kagame, c'était mythomane. Il va craquer, comme Hitler avait craqué. Le Congo, c'est un gros morceau qu'on ne peut pas avaler comme ça. Hein. Surtout qu'il a une petite gorge. Parce que ça n'est même pas une année, mon balai tu kokufa. Tant que zolo baka kufite, na ba 13 heures sans monsieur Panzani qui a kufita c'est qui c'est que zo quoi appuyé hypothèse on a qui a kufita c'est qui na. Ouais ça, les religieux ce sont des escrocs professionnels. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas pitié des gens, ils ne sympathisent pas avec les gens. Ils sont contents quand ils te voient pauvre.